restez là. Mais je vous en prie, entrez vous réchauffer à l'intérieur. Vous demandez sûrement ce que je fais ici, dans ce cadre illithique. Illithique. Eh bien, c'est très simple, mes amis. C'est le 30 heures spécial Noël. Mais dites-moi, vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Vous savez quoi? Non, on s'en fout. Un sapin, voilà ce qu'il manque. J'en appelle donc au pouvoir de la magie de Noël. La magie du montage. La magie de Noël. La magie du montage. La magie de Noël. La magie du montage. La magie de Noël. Voilà, j'aime mieux ça. Mais bref, j'y vais. Putain, mais tu vas crever. Putain, tu vas mourir. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je vais recommencer, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'es pas au courant? C'était soit les décorations, soit le sapin. Ça va être un Noël long et douloureux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 30 heures, spécial Noël. Quoi? Il y a du courrier. Ok, passe-moi l'enveloppe. J'ai dit l'enveloppe. Oui, j'ai très bien entendu. Merci. Quoi? Je sais où vous habitez, signé le Raptor. Ok, je fais les valises. Mais tout de suite, commençons ce journal avec de très bonnes nouvelles. Le Père Noël n'existe pas. Mais puisque nous parlons du Père Noël, celui-ci a été surpris en flagrant délit de molestage sur son bonhomme de neige, Frosty. Au début de sa tournée de... Qu'est-ce que c'est que ça? Frosty, viens vite avec moi, il faut que tu m'aides à sauver le futur. Non mais oh, tu vois pas que je suis en train de bosser là? Puis de toute façon je m'appelle pas Marty, donc ta gueule. Mais, tu sors de toi? Bon, d'accord. Allons-y, allons-y! Putain, mais heureusement qu'il s'est barré, hein. C'est qui? Personne. Jeanne? Non, c'était pas Jeanne. T'as immigré? Non plus. Vous pouvez me laisser bosser maintenant? Donc, oui. C'est au début de cette tournée de cadeaux que le Père Noël a molesté Frosty. Le Père Noël s'est trouvé à ce moment-là en état d'ébriété flagrante et aurait molesté Frosty car ce dernier l'aurait traité de grosse merde. Voici la déposition du Père Noël. Je suis pas bourré. Je suis pas bourré. Je voulais aimer, les enfants. L'avocat du Père Noël a immédiatement pris sa défense. Non mais attendez, là. Mon client, hein. Il doit faire en 24 heures le tour du monde. Ne pas confondre les maisons, hein. Ne pas confondre les cadeaux. Faire toutes les maisons où il y a des enfants. Prendre bien les commandes des enfants. Et après ça, hein, on lui dit que c'est une grosse merde. Forcément, hein. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. On ne devrait pas le punir pour ça. C'est n'importe quoi, c'est odieux. Et du coup, toi, t'as commandé quoi pour Noël? Moi, j'ai commandé la chose la plus importante dont nous avons besoin. De l'amour? Non, de l'argent! Suite au molestage de son bonhomme de neige Frosty, le Père Noël cherche un remplaçant afin de lui succéder pendant qu'il perche à peine de 15 ans en prison. Mes enfants, cette année, ce n'est pas moi qui donne les cadeaux. C'est quelqu'un d'autre, du coup tu demandes quelqu'un d'autre. Et bonne bourrée. Voici les remplaçants proposés. Ah, nous avons une déclaration du Père Noël. Je ne suis pas bourré. Mais tout de suite la catégorie. Oh mon dieu. Quoi? Retourne-toi très lentement. Mais tout de suite, la question du jour. La question du jour nous vient de Gabriel, le podcasteur anonyme. Dit la mouette, il se reconnaîtra. La question du jour étant, quel est le nom du cucurbitacé? Eh bien, il n'y a qu'à lui demander. Comment tu t'appelles, mon gars? Bah, moi, je m'appelle Frédéric, je viens de Paris. Parfait, d'accord. Je suis en train de la boulangerie. C'est sympa. Très bien, Eric. Après, je suis venu sur Paris. Bon. Ouais, c'est ta gueule! Mais ta gueule! Sauf que la boulangerie, ça marchait pas trop. Du coup, je suis venu à Tours et puis c'est là que j'ai rencontré Tiffany. Mais comme c'est Noël, vous avez le droit à un supplément. C'est parti pour la deuxième question du jour.
La question du jour nous vient de Alex Photographe. La question du jour étant, pourquoi est-ce que vous ne montrez pas vos visages? Pourquoi on ne montre pas vos visages? Vous voulez voir nos visages? Eh ben, il n'y a pas de problème. Eh ben voilà, je vois pas où est le problème. Ça y est, l'épisode est terminé. Bah, et l'image du jour? Mais c'est bon, c'est Noël, t'as qu'à mettre ce qui te passe par la tête. J'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. Non, j'ai rien dit, ne mets pas ce qui te passe par la tête. Mais pour terminer l'année en beauté. Non mais là en fait on te voit pas, t'es pas dans le champ. Putain. Mais pour terminer. Non mais là t'es toujours hors champ en fait. Merde. Mais pour terminer. Non mais là t'es carrément derrière le fond vert en fait. C'est bon, je suis bien cadré là. Oui, non, par contre là c'est moi qui suis plus à la bonne place. Donc, je disais, pour finir l'année en beauté, nous allons vous interpréter. On vous souhaite un joyeux Noël en playback parce qu'il faut pas déconner. Musique s'il vous plaît. Mon bisou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. C'est quoi ça? Tu coupes la solo? Quelqu'un passe quelque chose? Ah, oh mon dieu. L'ambiance. Le SAMU? Quelqu'un? N'importe qui? Jeanne, au secours! Marty, maintenant que tu as terminé, tu peux venir m'aider à sauver le futur! De 1, je m'appelle pas Marty, et de 2, je n'ai aucune envie de voyager dans le temps, ta gueule! Allô? Allô? Je fais comme ce que vous avez dit. Excellent. Vous avez bien travaillé. Je vous donnerai bientôt ce que je vous ai promis. Merci. Au revoir. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Excellent. Tout se passe comme prévu.